Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Pérone pour ce nouvel épisode de Far Cry 5 avec le Curton. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la résistance au camping de Silver Lake. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Je sais pas ce que c'est qu'un transfuge. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés. Va au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sain et sauf. Nous devons être ouverts au pardon. Sinon, nous ne valons pas mieux qu'Eden's Gate. Je ne sais pas ce que c'est qu'un transfuge, mais écoute, on va aller voir ça. Oula, tu sais quelle est sa voiture de sport devant l'entrée, comme ça, là? Alors, autant vous l'avouer tout de suite, je pense que je me suis trompé de route, hein. Ça ressemble plus à un sentier qu'à une véritable route, de toute manière, hein. Mais d'ailleurs, je l'ai perdu. Ah bah, l'accès n'a plus, hein. C'est pas moi, hein. Oh là là là, il y a un panneau, là. C'est un arbre. Ok. Au moins, on s'approche. Oula, il va falloir que je prenne de l'accélération, mais on va remonter la côte, mais... Tibénia, on va taper le cheval de Skyrim, mais non. Non, il semblerait qu'on t'appelle pas comme ça. Oh, merde. Non, je t'ai coincé. Bon, bah... Bouge pas, hein, surtout. What? Ah ouais. Ça, par contre, c'est ultra stylé. Ah. Mais bien sûr, on l'a kidnappé, c'est tout à fait nos méthodes. Oula, on va laisser le véhicule passer par contre. Oh. Ah oui, toi là, oui, effectivement, je t'avais pas vu. Merde, je suis mauvais. T'as eu peur? La lumière du père te trouvera! Bouge! Allez, voilà, et de deux! Exécution enchaînée, défi terminé, 3 points de talent, génial! C'est exactement où je vais les mettre, il me faut plus de munitions de snipe. Coucou! Faire un petit plaisir. Ah, j'ai plus de flèches incendiaires. Hannibal. Rencontrer le. Oh bah. Ah, c'est magnifique comment t'es mort. Honnêtement, j'ai adoré voir ça. Bonjour. Oh, t'étais assez lambda aussi, si toi. Si veut quitter Eden's Gate, on doit essayer de l'aider. Ces tarés veulent le récupérer. On doit les arrêter. Mais c'est quoi un transfuge? Merde, les cinglés sont derrière. D'accord, faut que je te protège, toi. Ok, apparemment ils sont pas là où je suis allé. Et vous allez le buter, oui ou merde? Parce que là déjà j'en ai tué un paquet moi avec ce coup là. Merde, pardon, excusez-moi madame. Je l'ai prise pour l'ennemi. Non non.
La route! La route! Ils sont là! Non mais t'as de l'intérêt pour moi seulement? Ah non, par contre... Allez, debout bonhomme. Va vraiment falloir que vous appreniez à tirer correctement. Merci. C'est sans espoir pour les pêcheurs. Ok. Mais tire-lui dessus, mon dieu! Mais non, je suis de ton côté, bonhomme. Non mais arrêtez vos conneries les mecs. Rends-moi ma flèche. Parfait. Waouh. Et vous avez tellement raison. À l'arrière du quoi? Du bateau. Waouh. Mais couvrez-moi, mon dieu! Faudra m'expliquer comment j'ai réussi à te louper. Toi, par contre, faudra m'expliquer comment j'ai réussi à te tirer dessus. T'inquiète pas, bonhomme, on va te sauver. Attends, faut que je bande un coup. Oh merde. Excuse-moi, il faut que je bande. Voilà. Je touche les ennemis aussi, ce serait pas mal. Oula, je t'ai soulevé du sol. Ok, vous, vous êtes des copains. Non! Mon arme! Merci. Allez. Viens, je t'emmène. Vous pourriez avancer de quelques mètres pour me sauver la vie, ou non, hein? Ça vous est pas venu à l'esprit une seule seconde. On chargera du reste. Il va bien? Sortez-moi de là. Hop, allez bonhomme, bon courage pour la suite. Mais t'as pas confiance... T'as pas confiance en moi en plus? Il y en aura d'autres, c'est certain. Tu as résolu tous les problèmes que je t'ai soumis. Le Seigneur va te guider à présent. Ouais. La prochaine fois que tu seras à Fulzend, passe à l'église. On a toujours le temps pour une petite prière. Oh, on a toujours le temps pour une petite prière. Mais bien sûr. Bon, vu que tu te répètes sans cesse, bonhomme, je vais te donner l'occasion de... d'occuper de mes fesses. Parce que c'est pas que c'est pas casse-couille de t'entendre tout le temps. C'est pas que c'est casse-couille de t'entendre tout le temps, mais c'est que c'est casse-couille. Pardon. Ouais, 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 voilà, désignation. Voilà, allez, venez. Prenez et buvez-en tous, car ceci... est mon sang. Ok, bon bah les voilà. Tirez-moi dessus, bande de vilains. Ouh, ouh, ouh. Je sens que je vais être pris dans la grâce. Oh mon dieu. Oh, je suis emporté par la grâce. Oh, bah merde alors. C'était un putain de combat. Ce serait plus simple de le buter direct. Mais bien sûr. Non.
silence n'est pas la volonté du père. Oh. Amène-le à John. Il est prêt à entendre sa confession. Mais non. Comment ça, il est prêt à entendre sa confession? C'est John qui va se confesser à moi? Mais c'est débile. C'est pas comme ça que ça marche. Oula. Quoique. C'est pas une dame quand même. C'est là d'être une dame. Merde. Qu'est-ce qu'il va faire à cette dame? Ah oui, c'est la fille qui était avec nous que j'aurais... Ah, j'avais dit qu'elle aurait dû mourir. J'avais dit qu'elle aurait préféré... Heureusement, elle a l'air en plutôt bon état. Sont les premiers à m'avoir enseigné le pouvoir du oui. Une nuit, ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur. Encore et encore et encore. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance. Mais non. Je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur. Je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. Oui. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. Tu vas peut-être fouer un gros oui sur le torse ? Joseph, qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais le plus beau don. Et pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. Et pour ça, il faut du courage. Courage d'admettre ses méchés. On t'entend plus, bonhomme. Parle dans le micro. T'as un gros ventilo qui tourne dans la pièce, on t'entend plus. Les arracher, tel un cancer, voilà. Et les brandir aux cieux de... Ça, c'est du courage. De tripoter des tétons comme ça, c'est mignon, hein, mais c'est... peut-être pas dans la bonne situation. Vous allez apprendre, apprendre à dire oui. Et non, t'as plus d'avoir des gros tournevis comme ça. Pour que vous affrontiez vos péchés. Vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Ah non, c'est pour affûter tes lames. Que vous pourrez expier. C'est uniquement fait pour affûter, si je me trompe pas, c'est... Bon, par qui je commence? Ah, je vais pas dire oui, alors là tu peux te torcher. Par qui? Ah, putain, si ça la sauve, elle. Je préfère prendre pour elle, honnêtement. Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession se doit d'être privée après. Je ne vais pas te prendre. Je vais plutôt te... Je préfère prendre à sa place, honnêtement. Je vais t'ouvrir en deux pour déverser tes frayeurs. Et ce faisant, tes péchés se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir du oui. Je préfère prendre à sa place. Honnêtement, j'y vais de bon cœur. Ah, ne vous demandez pas d'où sort la veste, chers amis, ça s'appelle la magie du montage. Ah d'accord, ok, je me déplace sur la chaise. Apparemment je peux aller que devant, donc c'est parti pour le devant. Oh, la crowbar. Non, apparemment je peux aller que vers... Alors c'est pas moi qui conduis, hein, moi je fais que tout droit. Hein.
Oh là, oh ça va faire mal. Oh ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc en vrai, t'es plus ou moins mort, mais on a vu des Far Cry où les mecs se remettaient les bras et les jambes dans des positions débiles. Donc on va y croire. Attends, 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 j'ai vu un truc sympa là-haut. Me dis pas que si la porte. Ah bah oui, c'est maintenant que tu me dis à cligner Z pour le fauteuil. Ouais, bah bien sûr. J'ai pas mes couteaux. Ah. Où sont mes armes? C'est parti. And way down we... Ah, par contre, j'ai gardé mon parachute. Ça, c'est extrêmement pratique. Ah, des couteaux de lancer, des grenades fumigènes. Ça, c'est la fête du slip. Ah, tu n'as rien vu. Gardez tout mon argent, c'est pas des voleurs, les mecs, hein. Coucou. Pas besoin. Ah ah! Tong! Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Du poids du péché. Ferme cette cellule. Voilà ce que pas je juste. Veux dire. Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai peur. J'ai peur. Ferme la porte. On doit les protéger. Alors je vais te sauver, officier. Mm-hmm. Ok, Sésame, ouvre-toi. Ah, je suis Hulk. Hulk écrasé. Coucou. Exactement. Et ça n'a plus d'importance. Après l'effondrement, nous nous remercierons. Et nous pardonnerons pour la peur et la douleur. Ok. Je suis un peu déçu. Mais bien sûr. Ça pourrait être pire, tu sais. Ici, juste à te confesser. Mais bien sûr, les mecs, ils m'ont senti. C'est-à-dire que j'ai dû péter, à mon avis, et ils m'ont senti. Bon, est-ce que ça va mieux se passer? Ou est-ce qu'on partirait pas à droite? Ok. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok, les voilà tous. Marcus, précision. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi tu... Ça pourrait être bien, tu sais. Ici. Hop. Tu as juste à te confesser. À l'est, par contre. Bon, je pense que je vais pas réussir à sauver des gens au passage, mais... ...te monter à la tête. Face a créé des anges, mais on peut pas dire qu'elle en prenne grand soin. Ça fallait s'en douter qu'ils allaient fermer la porte. Oh mais non, mais...
Le mec est abattu. Je vois pas ce que je suis. D'accord. Donc c'est elle qui va tuer. Je suis souffrant apparemment pendant la cinématique. Hein. Va la tuer. Laisse-la remplir ton corps et dévorer ton âme, parce qu'au bout du compte, tu resteras vide. Et moi, je serai juste là. Nous serons là. Non, il la tue pas. Bon, bah ça va. Du gaz ? Non ! La porte ! La porte n'existait pas ! Je sais pas. Wouah ! Vous êtes la colère, terminée. Montrez-leur l'étendue de votre colère, mes frères. Vite, oui, je suis prêt à donner la paix. Allez, bon, on la refait. Montrez-leur l'étendue de votre colère, mes frères. Vite, oui, je suis prêt à donner ma vie pour le Père. Ok. Allez, on progresse, on progresse, on progresse, on progresse. On progresse, on progresse, on progresse. Yes, we can. Qu'ils se repaissent de leurs péchés. Okay. Qu'ils s'étouffent avec. Ton péché te consume. Il occulte les douleurs que tu infliges. Il t'autorise à sacrifier des vies humaines sans peine. Bien. J'ai l'impression que mon personnage est devenu hyper fragile d'un seul coup. C'est extrêmement chiant. Je le dis, hein, parce que là, ça, j'ai l'impression que ça sort de nulle part. On s'en sort, on a quelques balles. Hop, il est mort. Ton péché te consume. Il occulte les douleurs que tu infliges. Il t'autorise. T'es mort aussi. Ça, je m'en fous. Sans peine. Est-ce que tu te rends seulement compte des crimes que tu commets ? Il a... Oh là 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 là, ça fait des gens qui sont morts là. Laissez-le s'enfuir, laissez-le se cacher. Peu importe où il va, Dieu nous aidera à le retrouver. Et tu es mort ! Bah alors, mon exécution ! Vous voyez ? C'est le pouvoir du oui. Si. Tu n'as plus rien à faire ici, officier. J'avais pas vu que l'hélicoptère. Je pensais que l'hélicoptère était de mon côté. Toi quand tu seras prêt. Voilà, lui il est eu. Lui aussi. Gaffe-toi de ta colère. Car si tu ne le fais pas, si tu restes ici, je vais saigner ta petite princesse comme une truie. Oui, je m'en vais. Fuyez la zone. Je m'en vais. I used to feel that I could not go on. Sometimes. Ouais. Ouais. Y'en a pas une petite dernière là? Allez. Eh ben non. Ah, je crois que j'allais me suicider, tiens. Ha. Vous me suivez plus? Bouh. Oh bah tout ça pour ça, toutes ces morts pour ça. Je suis assez déçu de cette mission. Mais t'étais où, bordel? Ça fait plusieurs fois que j'essaye de te contacter. Il paraît que John t'a chopé, j'ai vraiment eu la trouille. Je suis content que tu t'en sois sorti. Je suis désolé pour Hudson. Mais on peut pas faire grand chose sans la clé de John. Tu vas devoir la tirer dans un piège. La meilleure façon de faire ça, c'est de foutre en l'air la totalité de son opération. Donc à toi de jouer. Bah oui, c'est tellement facile, dit comme ça. Enfin bon, confession terminée. Ouais, je suis un peu déçu là pour le coup. Je le dis, hein. En tout cas, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans le prochain, tout équipé, tout prêt, pour la suite de l'aventure et de l'histoire. Salut les gens, et yo!